Ils sont cachés parmi nous, évoluant à l'ombre de nos histoires, à peine dévoilés par nos légendes. Mais ce soir, ils se livrent à nous dans Myths and Myths. Et ce soir, au micro de notre intrépide reporter Mighty Mike, après avoir interviewé la bête du Gévaudan, après avoir questionné la semaine dernière les esprits de Brocéliand, Myths and Myths vous propose de lever le voile sur Jack Mouse, plus connu sous le nom de la petite souris. Quel show, hein ? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Jack, merci de vous prêter au jeu de notre émission. Oh, je t'en prie Mike. Tu sais, je pense que les gens gagneraient à être plus au courant de mon rôle et du rôle de toutes les collectrices en général. Abordons le vif du sujet, la collecte. Pourriez-vous, pour les rares spectateurs qui ne vous connaissent pas, rappeler le principe de votre métier, votre rôle de petite souris ? Ah non, je t'arrête tout de suite. J'aime pas ce terme de petite souris. Non, je me vois plus comme un mercenaire bucco-dentaire, un chasseur, quelqu'un qui fait dans la dent. Enfin bref, pour faire court, je m'occupe de collecter les dents de lait que les enfants cachent sous leurs oreillers en échange d'une piécette, voilà. La petite souris ? Dans le tram ? Non. Non, mais je suis plus un gamin, ça existe pas, ça. Oh, que c'est mignon comme... Oh, c'est dégueulasse, dégueulasse. Moi, que j'en vois un, je l'écrase. Et c'était pas trop dangereux ? Ah, ça, je t'avoue qu'en fin de journée, avec le monde, aïe, c'est pas toujours simple. Aïe, ma queue, madame, votre pied. Je veux bien vous croire. Et donc là, on... Ouais, gamin, on se rend dans la chambre et on procède à la collecte. Bon, on va s'approcher de l'enfant pour récupérer la dent. Interdiction formelle de faire le moindre bruit. Et tu vas pas plus loin que le lit, trop risqué. Pas de soucis, je vais zoomer. Bien, on se rejoint sur le bureau. Ah, c'est peut-être... Il vient de passer. Non, c'est pas... Ah non, non. Ah, c'est bon, il est sur le lit. Il a la dent. Ah oui, il a la dent, super. Vas-y, cadre. Et voilà donc comment on récupère une dent. C'est impressionnant. Oh, c'est pas toujours aussi simple, hein. Là, c'était relativement tranquille. Ah, parce que vous avez déjà eu des... On était une portée de 304 souriceaux à l'époque. On s'est vite séparés. La majorité d'entre eux sont devenus des vagabonds, d'autres bossent aujourd'hui en labo. Mais j'ai choisi de suivre la voie familiale, j'ai commencé à travailler avec mon père. Petite souris avant vous donc ? Ouais, c'est ça, jusqu'à il y a 20 ans. Il pleuvait, mon père était parti récupérer la dent, je sécurisais la gouttière de sortie. On n'a pas vu le chat persan. Ça s'est passé très vite, je le vois encore revenir en courant avec une canine et... L'instant d'après, il s'est fait... Non, on peut couper, s'il vous plaît. Vous allez mieux ? Oui, excuse-moi. Je vous en prie. Pour finir, Jack, la question que tout le monde se pose, que deviennent ces dents après la collecte ? Je les revends à un ami, dans l'arrière-boutique d'un petit magasin que je connais. Pour une bonne dent, il peut mettre un bon prix. Couronne impeccable, émail bien conservé, belle teinte ivoire. Mais t'as chopé ça où, mec ? Me fais pas perdre mon temps, gamin. Écoute, je me suis fait livrer de la Pyrène il y a 2 jours, là. Un scandale. Pur à 80%, mec. Je t'en offre 200 grammes, pour le tout. Bon, bah ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Jack ! Mais non, c'est bon, Jack, reviens ! Allez, putain, c'est bon, j'ai compris. 220 grammes. 220 grammes et rien de plus pour tes fichues dents, là. Sinon, j'ai plus qu'à m'arracher les miennes à la pince. C'est bon, fais pas ta pleureuse, j'accepte. Fais voir ta pyrénéenne, là. Attends d'y goûter, mon vieux. Cœur de meule, lait de brebis, tu vas pleurer des babines. Je te le rappe. Oh, ce qu'il en fait après, c'est pas mon problème. Moi, ça me regarde plus. Très bien, ce sera peut-être le sujet d'une future enquête. En tout cas, Jack, merci encore de m'avoir permis de vous suivre. Pas de problème, bonhomme. C'est fini pour cette nouvelle émission de Myths and Myths. Encore un mystère de lever. Restez-nous fidèles. Dans notre prochaine émission, nous demanderons au Père Noël s'il a toujours été aussi sage. À la semaine prochaine.